Et bien bonjour à tous les amis de votre part. Et les amis, je vous souhaite la bienvenue dans Fidèle Grand Fish, dans mes marécages personnels, voilà, en tant que grenouille, bien entendu. On dirait que c'est vraiment la grenouille qui parle, tu sais. Bon, alors clairement, on n'a aucune chance de survie, car vous le savez, aujourd'hui les amis, on est là pour découvrir les toutes nouvelles créatures des fonds marins, et en particulier des marécages. Bon, clairement, je ne pense pas qu'avec cette grenouille, j'ai aucune chance de survie. Quoique, attends, viens. Comment il m'a défoncé? Très bien, ok, d'accord. Donc les grenouilles ne font pas la loi dans ces marécages. Oh, de la bouffe. Oh, je vous rappelle que le but, c'est de dévorer et être surtout le prédateur ultime. Pour bien entendu, à moi, c'était mon confrère, s'il vous plaît. C'était mon cousin. Rendez-moi sa viande. Venez là. Viens. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable, la grenouille. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? J'arrive même pas à viser. Tu m'étonnes. J'étais pratiquement dessus. Non, mais là, j'ai clairement aucune chance. J'arrive même pas à le viser. Je suis pas capable d'attaquer un poiscaille. Comment il lui a foncé dessus? Attends, j'en profite là. Il y a une baston. Regarde ça, regarde. Feu jumper, la grenouille. Oh, arrêtez. En même temps, ils étaient à 4 sur moi. Ok, bon, très bien. Il est grand temps de sortir, la grosse artillerie. Ok, alors attendez. Non, ça, c'est un peu gros. On va prendre un truc genre. Non, pas ça, non plus. Non, voilà. Oh, le raptor zombie. Oh là là. Oh, il a plus qu'un œil. Oh, il est tellement stylé, lui. Ok, on prend lui, voilà. Il va me falloir pas mal de thunes si je veux débloquer, bien entendu, la créature ultime. Ok, allez, on y va. J'ai cru que c'était un poisson, mais c'était énorme. Ok, très bien. Alors, bon. Oh. Ah, je peux pas le bouffer, c'est un pote. Non, ok, bon, très bien. Alors, les potes, on évite. Oh, lui, il est pas un peu gros, lui. On va les laisser tranquilles. Alors, wow. C'est bon, ils m'ont pas vu. On va laisser Gérard se débrouiller tout seul. Quoique, il est en train de le maîtriser. Quoique, en fait, finalement, j'ai rien dit. On y va, deux, Gérard. Vas-y. Attends, on l'amène vers la surface. Suis-moi. Ah, j'en veux un bout, s'il te plaît. On est cousins. Oh, c'est bon, j'ai une pièce. Bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais... Ok, très bien. Bon, allez, on y va. Attention, qu'est-ce qu'on a de plus dans les... Il est gros, lui, c'est un brochet. Il m'a tellement défoncé. Attends, qu'est-ce que je peux acheter avec une pièce? J'ai une pièce, s'il vous plaît. Je peux acheter quoi avec ça? Ok, très bien. Il y a beaucoup trop de poissons. On va prendre... qu'est-ce que c'est? Non, un piranha. Oh, le piranha. Oui, le piranha, la base. Ok, attention, on débarque avec le piranha. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, alors je vous rappelle, ils ont tous des pouvoirs, hein, bien sûr. Un peu trop sombre là, on va aller de l'autre côté, hein, voilà. Alors, bonjour. Je suis nouveau dans ces marécages, s'il vous plaît. Quelqu'un est là pour m'indiquer la voie, non? Il y a les crevettes, c'est les sauterelles. On dirait des sauterelles. Oh, ça se mange. Ça donne pas de pièces. Ah, paye l'arnaque. Ok, je vous rappelle qu'il me faut de la thune, hein, parce que... agrandir, c'est bien, mais... Oh, le petit poisson. Viens là. Oh, c'est bon, les amis, regardez, je suis à 15 de thune. Oh, on va monter vers la surface, attention. Et transformation. Allez. Regarde ça, voilà. Merci pour la viande, l'ami. Et alors là, les amis, vous allez halluciner, car on va passer, mais du poisson, j'allais dire du coq à l'âne, mais là, c'est du poisson au dragon. Regardez, il y a même des dragons maintenant. Mais what? Mais c'est trop stylé. Oh là là là. On va prendre le dragon rouge. Voilà, je me suis transformé en beau de viande. Ok, attention. Oh, peut cracher du feu ou pas? Non. Très bien, il peut aspirer. Oh, la mâchoire! Il peut se planquer. Ok, donc c'est ça sa capacité. C'est vraiment ça. C'est un petit peu, c'est genre il peut se planquer. Ah, il devient invisible s'il bouge pas pendant 10 secondes. Oh, enfin invisible en mode dans l'herbe, quoi. Enfin, dans les... D'accord, très bien. Dans les hautes herbes. Ok. Bon, attention. Oh, lui, laisse tomber, il a aucune chance. Salut, viens là. Oh, il fait tellement mal. Il fait... Oh, lui, je vais défoncer. Viens là. Oh la vache! Par contre, il est un peu lent, non? Oh là là, ce dragon! Oh! Oh, les coups de croc! Il fait tellement mal! Mais il est abusé! Il est tellement stylé! Regardez ça! Oh, il est de toute beauté! Quelle élégance! Incroyable! Faites gaffe quand vous allez à la mer! Après, vous pouvez croiser des dragons, hein, cet été! Ok, alors lui, est-ce que je peux le bouffer? Lui, je le bouffe! Lui, ça se mange! Viens là! Allez, on va augmenter les dégâts aussi! Allez, viens là. Tu ne fuiras pas. Ton destin est de me nourrir. Voilà, c'est bon. Yes. Ok. Il y en a une grenouille. Oh, il chasse une grenouille. Le chasseur chassé. Allez, viens là. Allez, je te bouffe. Non, mais viens là. Oh, lui. Pas un peu grand, lui. Oh, ça va. Oh, je peux le défoncer. Ok, attendez.
Je m'approche et je fonce. Il est où? Ah, il est là. T'as cru me fâter? T'as cru me fâter, hein, viens là. Oh, il m'a croqué quand même. Il a osé. Je le suis. Oh, oh oui, c'est bon, il est à moi. Allez, allez, tu ne bougeras pas. Tu es mon repas. Tu es mon... C'est pas vrai, mais c'est pas possible. Allez, ma... Oui, oui, c'est bon. Il est KO. Ah, la puissance du dragon. Voilà. Oh, plus 6, pas mal, ça. Stylé. Ok, très bien. Alors, attendez, on va essayer de retrouver le même genre de prédateur. Oula. Oh, ça, c'est un peu gros. C'était un peu trop gros pour moi. Oh non. Là, il faut tellement de thunes. Il faut au moins 70 pour avoir la nouvelle créature. Et aujourd'hui, c'est vraiment... On découvre les créatures les plus étranges de Phil and Grand Fish, quoi. Oh, il y en a trop, là. Il y en a beaucoup trop, là. Oh, ça, c'est bon, ça. Allez, viens là. Allez, je t'ai commencé, là. Je te finirai. Allez. Oh là là, allez, le dragon. La force du dragon. Voilà. Nya, 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 je te croque. Voilà. T'es mon casse-dalle. T'es mon casse-dalle. Faut surtout pas que je croise l'autre gros, là. Parce que alors, là, faut le défoncer. Faut moi, je suis à niveau 3. Il y a pas moyen. Allez, viens là. Attendez, hop. Allez, tu sais quoi, on va l'amener. Voilà, au fond. Ah. Oh, ça nourrit bien. Voilà. Bon. Eh bien, je peux sortir de là. Oh, cette beauté. Allez, allez, on va se balader ailleurs. Donc là, attendez, ça veut dire que si jamais je bouge pas, je vais genre devenir invisible. Oh, mais regardez comment il est stylé et tout. Oh là là. Oh, oh. Bon, techniquement, on peut dire que je suis devenu invisible parce que je suis mort, donc je suis plus là. Oh non, mais sérieux. Mais lui, dès que je vais être énorme, je vais le bouffer. Je vais le bouffer, lui, il fait sa loi, là. Allez, ramène-toi, mon gars, là, tu fais moi le malin, hein. Allez, tiens. Oh, j'ai bouffé les deux. Oh. Ah, lui, il est un peu plus gros, lui, par contre. Oh. Ils sont un peu énormes, non? Oh, tu sais quoi, je vais en profiter. Regarde, regarde, je mange. Oui. Oh, allez, viens là. C'est à moi. Allez, je te bouffe en même temps. Je vais l'avoir. Je m'en fous, je le croque. Allez. Yes. Ah, bah alors, tu fais-moi le malin, là. Oh, toute la bouffe. Oh là. Oh là. Mais tout ce que ça donne. Oh. Et ben alors là. Je suis tellement énorme. Oh là là. Ah bah alors là vous avez aucune chance. Désolé. Faites voir un peu là. Voilà, comme ça. Nya. Voilà. Parfait. Bon, tu sais quoi, je vais lui en laisser un peu quand même. Je suis sympa. Il est court, les amis. Il est grand temps de sortir l'artillerie lourde. Attention, je vous présente... Je pense que vous allez halluciner. Regardez le Chire Catfish. Voilà, donc lui c'est un véritable poisson chat. Tu vois, moi je voyais ça. Tu vois, comme dit un poisson chat, moi je voyais pas un truc avec des espèces de moustaches. Non, moi je voyais ça. On dirait pas le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Franchement, c'est là, le... il fait vraiment flipper. Non, mais... Salut, ça va? Non. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas les moyens de le racheter. Non. Voilà, c'est bon, je peux sortir de ma tanière, là, tranquille. On va encore bouffer, là, instantanément, là. Oh, mais il est tellement stylé. Oh là 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 là, regardez ce chat, quoi. Il est beaucoup trop stylé. Alors, je sais pas s'il fait vraiment mal. D'accord, donc il est considéré comme étant... Enfin, ayant une mâchoire de requin. Bon, viens là, toi. Attends, est-ce que je fais mal à ce point-là? Oh, par contre, il va super vite. Oh là là, il va tellement vite, c'est incroyable. Oh, allez, croque. Allez. Attends, je peux l'amener à la surface, parce que la surface, ça les transforme en pot de viande instantanément, je me rappelle. Hein, donc ça vaut carrément le coup. Regardez ce chat. Miaou. Voilà, comme ça. Oh, il est un peu gros, lui, non? Ouais, oh, il m'a défoncé. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat là? T'imagines genre un chat énorme? Bonjour, c'est le chat. Regarde ça. Sa tête. Il a... On est d'accord, il louche là. Attends. Ah ouais, c'est ça, ouais, il louche, ouais. Il est tellement énorme. Quoi, j'ai croqué un truc? Qu'est-ce que j'ai croqué? C'est une crotte? C'est une crotte, ok, très bien. Bon, bah, ok, très bien. Oh.
Oh, ce chat, matez cette bête. Non, mais regardez, il est tellement incroyable. Non, mais il est immense, là, regarde. Je peux les aspirer ou pas? Ah non, faut quand même les croquer. Oh, 967 de dégâts. Attends, mais... Je viens d'aspirer le truc le plus gros du monde, là, on est d'accord, hein? on est d'accord, non? Regardez, regardez, cette bouille. Ok, bon, très bien. Bon, là, il me faut 200 de thunes pour vous montrer, les amis. Vous n'êtes pas prêts. The créature, the bête, tant attendu dans Fishville & Grand. Attendez, attendez, il me faut un truc. Est-ce que je peux... Là, j'essaie d'aspirer ce qu'il y a dans le coin. Ah, je crois que j'ai mangé la crotte. Bon, on va dire que c'était un Maltéser, hein. Ça passera mieux, tu vois. Oh, mais je vois que dalle. Je suis beaucoup trop grand. Oh, ils sont tellement petits. Oh, non, mais la tête qu'il a, quoi. C'est incroyable qu'ils aient ajouté ça. Franchement, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils se sont dit... Ah, regarde, hop là, voilà. Merci. C'est passé où il fallait. Ok, bon, il me faudra une grosse bête, là. Ah, y'avait pas un énorme poisson-chat, là. Tu sais, le truc immense, là, qui bouffe tout depuis tout à l'heure. Oh, le voilà, lui. Alors là, mon gars. Oh, comment je te l'ai aspiré. Je peux totalement l'aspirer. En même temps, je suis un peu niveau 50, hein, donc... là, même l'arbre, si je veux, je peux le bouffer, tu vois. Voilà, et hop, on nage. Oh là là, il est vraiment immense, hein. Sans déconner, même le mégalodon, je pense, il se fait bouffer, là. Tu vois, là, c'est... Ah là, c'est terminé, les croquettes et la pâtée, là. Ah là, c'est le mégalodon direct, hein, pour la bête. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, regardez, il a une queue qui est quand même assez... ouais, c'est un peu spécial. Il y a des toutes petites pattes. Attends, on m'agresse? Qui m'agresse? J'ai entendu un bruit d'agression. Qui m'agresse? Alors, soit il est dans mes poils et c'est une puce, mais... J'ai entendu le bruit de l'agression. Très bien, ok. Alors, à mon avis, il m'a vu, au final, il a dû se dire, ouais, non, je vais peut-être pas l'attaquer, hein, vu la taille de la bête. Ok, les amis, regardez, je pense qu'on en a assez fait comme ça. On a même dévoré ce gros poisson. On a tellement de thunes, il est maintenant grand temps de vous montrer ce que vous attendez tous. Hein. Les amis, je vous présente un Kimoji. Oh, regardez, il est tellement stylé. Oh, il y en a même un autre derrière. Oh, il est tellement incroyable, c'est un truc de ouf. Et non, les amis, vous ne rêvez pas, il y a bien un Kimoji. Regardez, présent dans Fishville & Grow. Il est tellement stylé. Alors, après, c'est vrai que niveau taille, il est quand même assez balèze. Regardez ça. Il est ouf, tu peux vraiment tout bouffer. Donc, c'est un petit peu le même style, un petit peu qu'on avait avec le catfish qu'on avait juste avant. En fait, on peut tellement tout bouffer, quoi. Oh, tellement ouf. Oh, bah voilà, bah, ça s'est bien passé, ça se passe très bien. Merci, au revoir. Parce que là, les amis, on peut dire qu'on a vraiment créé le poisson le plus ouf de Fishville & Grow. Il est tellement stylé. Il est surtout, regardez, immense. Oh là là. Attendez, ce qui est génial aussi, c'est que regardez, on peut même croiser d'autres Udiwoji. C'est un truc de ouf. Parce que ce soit sa taille ou même sa vitesse, regardez, c'est quand même un délire. Hein. Il est vraiment, vraiment surpuissant. Hein. Et bien écoutez, les amis, dans tous les cas, du coup, ça a été là pour ces nouvelles créatures sur Fishville & Grow Fish. Et regardez, il nous en laisse tellement encore à découvrir. C'est un truc de malade. Oh, il y en a tellement. Non mais. Attends, mais regardez ça, le nombre de requêtes, il y a quoi, c'est un truc de ouf. Mais bah écoutez, j'espère les amis que ces nouvelles créatures vous ont extrêmement plu. C'est Kagalet, tu vous avez bien sûr un chat maximum de likes. Surtout, je pense que mon préféré, c'est bien sûr Eugy. Et bien entendu, hein, le Chaser Catfish, hein, qui est quand même beaucoup trop stylé. Mais pas également de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci à tous, c'était votre Jumper. Et je vous dis du coup, à très bientôt. Ciao les amis.